septembre-octobre avec l'efficacité en moins, simplement. C'est-à-dire qu'on encaisse, si je prends le dernier match contre Lorient, c'est un tir cadré en 80 minutes. Seul tir cadré de la première mi-temps pour Lorient. Voilà, donc après nous, on doit gommer aussi, notamment sur ce match-là, nos entames de match. On a quand même des trous en ce moment, notamment sur nos entames de match, où on manque un peu de dynamisme. Et il faut toujours quelque chose pour nous réveiller. En général, c'est un but. Ça a été comme ça aussi à Châteauroux. Ça a été contre Lorient. Donc ça, c'est plutôt gênant parce qu'on est plutôt en réaction. Mais après, on le fait plutôt bien. Hein. Si on prend le match de la semaine dernière, le match à Châteauroux, pas grand-chose à dire. On prend un point sur deux matchs. Je pense qu'en vertu de nos occasions de but, c'est vraiment mal payé, quoi. Maintenant, on a des choses à gommer. Alors, la première, c'est de temps en temps des absences, notamment au début de match. C'est assez incompréhensible, notamment chez nous. Il faut qu'on travaille là-dessus. La deuxième, c'est notre efficacité, mais là-dessus, vous savez, il n'y a pas grand chose à faire. Sinon, on travaille l'entraînement, on met les gens en confiance. Mais bon, après, on est aussi des spécialistes pour à 4 mètres du but, frapper sur les gardiens. C'est pas la première fois. Je pense que si on arrive à égaliser dans notre temps fort, qui est globalement sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, contre Lorient, c'est un autre match. Voilà, à Châteauroux, c'était le poteau à 2-1. Bon, voilà, il y a toujours. On a le sentiment qu'on n'est pas trop payé. Je pense que Lorient peut aussi finir le match à 9. Si on ne ramène rien de ces deux matchs extérieurs, notre saison va se terminer certainement comme ça. Et c'est forcément dommage. Voilà, quand on bascule à 31 points à la trêve, on a envie de faire aussi bien. On est toujours accroché quelque part au wagon de tête. Donc, mais par contre, faut qu'on gagne un match parce que ça commence à nous prendre la tête. Il ne faut pas oublier qu'on joue quand même sans 5 à 6 titulaires depuis quasiment un mois et demi, même parfois deux mois, depuis qu'on a perdu Jesse Benet. Voilà, Jesse nous avait une qualité technique qu'on a certainement perdu aussi. D'ailleurs, depuis que Jesse est blessé, on a pu gagner un match. C'est pas... certainement pas le rapport de cause à effet aussi important, mais quand même, si vous enlevez 5 joueurs titulaires à chaque équipe, à Metz ou à n'importe qui, je ne suis pas sûr qu'ils aient le même rendement. La nature humaine, elle est faite comme ça, quand ça va bien, on se relâche. Peut-être nous aussi, peut-être moi le premier, aussi à me remettre en cause, certainement. Je t'ai montré contre l'arbitre, qui à mon avis s'est trompé déjà, première chose, parce que nous, on ne fait pas ce genre de cadeau, même si je rappelle qu'on est quand même toujours une des deux équipes à pouvoir appeler le carton rouge, donc ça veut dire aussi quelque chose, et on aimerait bien être arbitré en fonction, ce qui n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que je ne vois pas pourquoi on rentre dans nos matchs comme des sénateurs, mais la nature humaine est faite comme ça, je le répète, que... Et simplement, je pense que c'est très très simple, c'est qu'au début de saison, tout le monde était très très anxieux à l'idée de retrouver la Ligue 2 et d'être au niveau. Et quand on a vu qu'au bout du compte, on se retrouvait 5e, 6e à la trêve, voilà, après, on ne peut pas empêcher aux gens à un moment donné de penser qu'il suffit de se présenter sur le terrain pour faire des résultats, mais ce n'est pas ça. Il faut cavaler, il faut courir, il faut travailler. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un événement particulier pour se réveiller, pour entrer dans le match. Parce qu'à l'image du match contre Lorient, c'est trop tard. La routine, il faut la chasser. Donc, chacun doit se réveiller sur des petits comportements, des attitudes, des courses défensives. Ce qui me gêne, c'est que quand je vois Cabot qui vient tacler Demba, quand je vois Cabot qui récupère un ballon à la 91e minute et qui part en contre, je vois pas le même, j'aurais dit, c'est pour ça que je peux vous le dire, de temps en temps, les mêmes efforts, les mêmes courses défensives des attaquants. Donc voilà, faut simplement regarder ce que font les autres et pourquoi ça marche. Mais qu'on ait des moments difficiles parce que l'adversaire est bon, parce que l'adversaire est meilleur, parce que l'adversaire est supérieur, ça ne me dérange pas. Qu'on ait des moments difficiles parce que nous-mêmes, on se les rend difficiles par notre apathie, notre oubli d'aller au tampon, d'être plus agressif dans le bon sens du terme, d'empêcher les gens de jouer, ça me gêne plus. Voilà, donc je pense que le message a été reçu, que notre comportement, en tout cas sur les matchs, les débuts de match, etc., doit changer. On a raté notre début de match à Auxerre, on l'a raté à Niort, on l'a raté contre PFC, on l'a raté contre Lorient, mais vous faites le total. On a payé, à chaque fois on a payé, c'est tout. On n'a pas de match de manœuvre par rapport à ça. C'est un match spectaculaire, avec des buts, avec des renversements de situation. On s'est fait égaliser, un peu bêtement, je me rappelle le but qu'on prend. Et puis on marque directement après ils reviennent, donc on a à nouveau un moment de doute avant de clôturer le score. Voilà, c'est les scores qu'on aimerait voir tous les week-ends. Mais malheureusement, bon, pour nous, c'est pas qu'on ne mérite pas de marquer 4 buts à chaque fois, c'est que bon, c'est quand même un peu plus difficile que les autres en certaines circonstances. On fait quand même preuve de pas mal de maladresse devant le but ou de manque d'agressivité devant le but. Et bon, voilà, là-dessus, il faut qu'on travaille, il faut être patient aussi. Hein. Ils ont récupéré un défenseur, en présence de Bang, qui leur met de la solidité derrière. Et voilà, c'est une équipe qui va être plus solide à partir de maintenant, sachant qu'elles jouent aussi, sont leurs deux joueurs phares quand même, hein, qui sont Roudé et Robaille.
depuis quelques matchs, Robay assez longtemps, Roudet depuis deux ou trois matchs, pas vérifié. Voilà, donc c'est que les gens qui les remplacent prennent de la place. Je pense au petit Mauricio, enfin petit par la taille, grand par le talent. Voilà, c'est un garçon qui s'affirme de rencontre en rencontre. Donc voilà, c'est une équipe qui est aussi portée par un football technique qui cherche à jouer. C'est assez sympa de les regarder. Donc voilà, j'ose envisager que demain, ça soit un match plutôt ouvert, spectaculaire, à l'image de ce qu'on a fait à Châteauroux. Hein, franchement, globalement, si on veut faire plaisir à tout le monde, il vaut mieux faire 2-2 ou 3-3 ou 0-0. Quoi.